Maxime Guyon, félicitations, on se retrouve de nouveau. Vous gagnez le prix Vento ici avec Platane. La ligne droite a été assez intense avec Étoile qui est venue à la lutte avec vous. Oui, exactement. C'est vrai qu'elle est venue. Elle a fait une bonne accélération en dedans de moi. Maintenant, ma pouliche l'a bien contrôlée jusqu'au poteau. C'est top. La mienne, voilà, elle m'avait bien plu la dernière fois à Chantilly. Elle avait battu des pouliches qui ont regagné, donc on savait que la ligne était top. Il fallait confirmer aujourd'hui. Elle était en pleine chaleur aujourd'hui. Et on voit bien que, mis à part la seconde, les autres sont assez loin de nous. Donc franchement, c'est des top pouliches. Si elle est en début de chaleur, ça rehausse sa performance aujourd'hui? Oui, vraiment, parce qu'on sait que quand elles sont en chaleur, les femelles sont pas forcément à 100%. Donc après, elle était magnifique et elle a répondu présent sur la piste. Mais voilà, je l'ai trouvée un tout petit peu grimaçante pour finir quand je lui ai vraiment demandé l'effort. Mais en tout cas, elle s'impose très très plaisamment. Elle peut prétendre à un bel avenir? Oui, totalement. Comparé au mâle, est-ce que vous avez une préférence? C'est difficile à dire. Maintenant, la pouliche, le mâle, l'année dernière, on a perdu peut-être une occasion de le faire gagner des bonnes courses avant parce qu'on voulait lui apprendre à se détendre. Maintenant, on le monte devant, il fait tout ce qu'on lui demande. La pouliche, elle est vraiment très très facile. Elle peut tout faire, donc voilà. C'est vraiment deux super choses. En tout cas, ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'au moment de la lutte, ils ont un bon mental. Exactement, ouais.